Bonjour les filles, je vous fais une vidéo vite fait parce qu'il est tard, il doit être 21h, peut-être un peu plus, je ne sais pas, sur la commande que je viens de recevoir, une petite commande de chez Estampines. Vous savez que maintenant j'achète Estampines la plupart du temps. Je ne renie pas le reste, mais bon, voilà, c'est un choix. Donc je vais vous faire voir, j'ai commandé, j'ai recommandé encore les boîtiers. Donc les boîtiers, c'est page 145. Voilà, page 145, référence 119-105, au prix de 9,75 €. Et il y en a 4. Pour ce prix, je trouve que c'est pas cher. Et franchement, moi j'aime bien, je mets mes perles dedans. Enfin, je trouve toujours l'utilité. C'est pour ça que je les achète à chaque fois, je les rachète. Donc j'ai pris ça. Si vous voyez ma scrap room, vous allez tomber raide. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est fait. Après, j'ai pris. C'est tout en désordre. Hein. Les doigts éponges. Je les ai perdus. Donc, les doigts éponges, c'est ceci. Voilà. Tac, tac. La référence 133 773. Pour 6 euros, vous en avez 5. Hein. Et c'est à la page 129 du catalogue CA. Voici les doigts éponges, c'est fait. Je me fais un petit pense-bête parce que. Ah oui, voilà. C'est ça aussi pour les ranger dedans. J'ai acheté les mini dimensionnales. Les mini. J'ai pris les mini. Bon, petit à petit, moi je me monte, hein, comme vous savez, ça fait un an, j'ai acheté pas mal Stampin'. Donc, passe, je. 167, référence 144-108, pour 5 euros, vous en avez 720 pièces. Je me trompe pas, c'est ce qui est, oui, 720 pièces. Donc, 7,4 mm, je trouve que, ben, moi, je voulais des tout petits. C'est vrai, voyez, on les voit bien là, c'est vraiment les petits, hein. Donc, ça, c'est fait. Ta-ta-ta. Et j'ai acheté les mini glottes. Voilà, je vous fais voir la référence. Voilà. Page 103-683, 6,50. Page, qu'est-ce que je vous ai dit? Non, la référence 103-683 à 6,50 € pour la page 167. Vous allez les retrouver. Et 300 pièces dedans. Donc, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est pas mal. Je les voyais passer. Je trouve que. Ouais, c'est super. Pour moi, c'est super. Voilà. Après, bon, les gens pensent ce qu'ils veulent, hein. Colle. Voilà, j'ai repris un tube de colle. Comme ça, la Tombow. Elle est page 167 au prix de 6 euros. Et elle a la référence 154-974. Alors, moi, je vous la recommande. Il y a un petit embout de ce côté. Un embout large. Quand vous avez plus de surface. À effectuer, vous voyez, vous montre les embouts là. Voilà, le petit est là. Franchement, elle est bien. Je vous montre la référence. Moi, j'en suis très contente. Elle colle super bien. En plus, comment je pourrais dire, on y voit sur les vidéos, vous pouvez la repositionner. Donc, c'est super quand vous voulez faire du masquage ou quoi que ce soit. Merci Laure pour m'avoir expliqué ça sur tes vidéos techniques, hein. Je te remercie. Alors moi, je n'avais pas de. C'est vrai que la colle, il faut souvent la mettre comme ça et tout. Donc, Brigitte, vous me connaissez, enfin, vous me connaissez sous le nom de Lulu, les petites créas de Lulu, Lulu Roux, bon. Et les autres me connaissent sous le nom de Brigitte. J'ai fait ça. J'ai pris un petit pot de confiture, les mini pots de confiture. J'ai mis du papier. Voilà. Il faut que j'arrête avec le voilà. De la dentelle plastifiée. Et puis j'ai mis des petites fleurs. Et un petit kiki. Et ça me fait. Padam! Voilà. Je l'ai trouvé sympathique. C'est mignon. C'est sur mon bureau. Je suis contente. Impeccable pour moi. Qu'est-ce que j'ai commandé après? Ah oui, alors je les ai mis de l'autre côté parce que je suis un peu. J'étais étonnée d'avoir de ne pas avoir commandé ça d'ailleurs. Mais bon. J'ai pris les souhaits ensoleillés. Les souhaits ensoleillés. Voilà, c'est ceci.
C'est toujours dans un boîtier, hein. C'est les mêmes d'ailleurs que j'achète en blanc pour mettre mes perles et tout, parce que je vois beaucoup de démos qui mettent leurs perles, enfin leurs... je sais pas comment on dit, c'est pas des perles, vous savez, c'est... Bon, enfin, pour ce qu'ils vendent chez Stampin', je m'en rappelle plus. Et je trouve que c'est bien parce que sur la tranche, vous les mettez comme ça, vous voyez très bien ce qui est noté. C'est les tampons. Les tampons épais comme ça. Derrière, vous pouvez les coller parce qu'ils rajoutent toujours, vous allez voir par transparence. Vous voyez, vous collez sur le dos de vos tampons. Voilà, tampons mousse. C'est super, c'est rangé, c'est sur les étagères. J'en ai pas mal là-bas, je vous les ferai voir tout à l'heure. Alors ça, c'est les soins ensoleillés que je... C'est page 38 du CA. Et c'est la référence 155-450 pour 24 euros. Je trouve que c'est sympathique parce que acheter les mots. Je trouve que Stampin' Up a des messages et tout super. Franchement... moi, personnellement, j'aime bien. J'ai pris aussi le Merci Fignolé, que je ne me trompe pas. Oui, Merci Fignolé. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de mots. Pour Merci Fignolé, c'est page 77 du CA. Référence 158-303 pour une somme de 22 euros. Alors, 22 euros, vous allez dire, c'est cher. Mais bon, là, écoutez, je ne suis pas du tout démo Stampin' Up, hein, attention, hein, c'est simplement, comme je l'explique à certaines personnes, j'aime ce que fait Stampin' Up. Moi aussi, j'étais chez Action, comme tout le monde, chez, enfin bon, W, EA, mais eh ben, au bout d'un moment, on change, parce qu'il vaut mieux commander moins et avoir quand même la qualité, plutôt que commander beaucoup, beaucoup, et avoir quelques... Alors moi, voilà pourquoi je vous dis ça. J'avais acheté au tout début que j'ai commencé le scrap, il y a deux ans, hein, après mes problèmes de santé. Ça a été une thérapie pour moi. J'ai acheté beaucoup chez Action, parce que je ne connaissais pas Stampin' Up, voilà. Et j'ai ressorti un tampon la dernière fois. Eh bien, il avait disparu. Le tampon, il me restait que le silicone. C'est-à-dire que les inscriptions, ben, il n'y en avait plus. Donc, méfiez-vous, dans le temps, les filles, il vaut mieux investir. Parce qu'en plus, ce qu'il y a de bien chez Stampin', c'est que vous avez par saison, vous avez les mots qui... Des fois, dans ces tampons, là, vous avez six reconnaissantes. Merci à ma démo I Stampin' You pour cette jolie carte. En plus, avec ce joli mot embossé. Merci, tout ce que tu fais, donc vous pouvez créer des phrases, hein. Ta gentillesse me touche, je voulais vraiment te dire pour ton aide, merci pour ton aide, donc merci mon ami, ou merci infiniment, vraiment merci beaucoup, ou vraiment si reconnaissante pour tout ce que tu fais. Vous voyez, on peut marier pas mal les mots, mais alors moi, je referai peut-être une autre vidéo sur les tampons que j'avais achetés qui faisaient plusieurs saisons, qui faisaient... c'était sur la neige, enfin sur l'hiver, sur l'automne, qu'est-ce que j'avais encore? Enfin, plusieurs saisons. Et j'ai trouvé que c'était super. Ça valait le coup pour 22 euros de les acheter. Voilà. Comme là, c'est j'ai envie de t'envoyer un joli rayon de soleil, un petit salut à toi. Nous nous perdons de vue parfois, mais tu sais, je pense à toi. Je trouve que c'est super sympa. Merci pour toutes tes petites attentions et pour ton grand cœur. Ça, c'est pour mon ami Alexou. Que ce jour de fête doit, soit rempli de plein de bonnes choses. Mais c'est sympathique, ça. Franchement, les filles, vous les rangez, c'est... Elles... Enfin bon, moi j'en suis satisfaite et je continuerai à acheter petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid comme on dit. Donc ça c'est bon, je vous ai dit la référence et tout. Et je me suis fait plaisir encore une fois, parce que moi ce qu'il y a c'est que quand j'ai commencé, j'ai acheté, j'adore les papiers de la collection Stampin'. J'adore à chaque fois leurs papiers, je les trouve super beaux. Ils ne cassent pas, vous savez, quand vous achetez des papiers dans d'autres marques,
pas cher, hein, je parle les marques pas chères, vous avez les papiers à un moment donné qui vont se casser, s'abîmer un petit peu sur la tranche. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage. C'est pour ça que maintenant j'achète comme ça. Alors là, j'ai pris. C'est la folle dingue. Vous connaissez la folle dingue? C'est moi. Alors j'ai pris pétale de pensée. Ben oui, c'est moi. Pétale de pensée. Voici. C'est page 132. Donc c'est des papiers en 30,5 par 30,5. C'est la référence 155-807. Recto verso, bien évidemment, je ne l'ouvre pas, je viens de le recevoir et je n'ai pas pour le travailler encore. Vous savez que les papiers sont recto verso, si allez. Voilà, attendez. Hop, on va faire... Alors que, bon, vous savez que le catalogue Stampin' Up, vous pouvez le télécharger, hein. Pas besoin d'aller voir une démo si vous n'en avez pas envie, si vous n'avez pas envie de vous faire connaître ou quoi que ce soit. Il suffit d'aller de taper Stampin' Up dans Google, notre ami préféré, et puis là, vous pouvez télécharger votre catalogue en PDF. Donc, et comme ça, vous regardez à tout loisir. Alors, je sais que vous allez pousser les cris. Oh, mon Dieu! Ah, mais c'est cher! Oh, ça, par contre, c'est joli, vous voyez? Bon, on est toutes pareilles, hein. Là, je vous montre, vite fait, parce que je pense que vous les connaissez tous. Hein. Donc, ça, c'est pensé. C'est des papiers, ils sont magnifiques. Vous avez deux feuilles à chaque fois. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Tchabada. Et puis maintenant, de l'autre côté. Hop. Voilà. Du Vichy. Moi, j'adore le Vichy. Moi, je suis une dingue du Vichy. Je ne sais pas pourquoi. Hein. J'adore le quadrillage comme ça. Voilà. Hop. Des lignes, alors vous le mettez dans le sens que vous voulez si vous ne suivez pas l'autre face, hein, par contre, hein, bon, parce que c'est fait à l'horizontale, hein, si vous voulez suivre. Oh, mais ces pensées, elles sont magnifiques, hein. Bon, il y a toujours un recto qui va avec le verso dans les couleurs. Et sachez que vous avez les encres, je vous ai déjà fait voir les encres et tout, voilà, qui vont toujours avec le papier. Généralement, quand on achète le papier, quand on achète les tampons, moi, je conseille d'acheter la collection, c'est-à-dire les encres, le papier, les tampons qui vont avec. Vous pouvez faire plein de choses. Alors, vous commencez petit, hein, ça, c'est sûr. Hein. Je vous avais déjà fait le topo pour mes encres. J'en suis à une trentaine. J'en ai perdu une. Mon mari m'a fait tomber ma caisse quand je suis partie à la maison de campagne. Donc, je suis obligée de la racheter. Et si éventuellement je la retrouvais, eh ben je l'offrirais à mon amie Alexiane, je pense qu'elle ne l'a pas. Voilà, parce que pour l'hiver et tout, quand on va faire les arbres, on va bien s'en servir. Puis oui, puis pourquoi pas faire des petits cadeaux, un petit cadeau comme ça, pour un anniversaire, je ne sais pas... un anniversaire ou autre, ou juste pour faire plaisir. Vous faites une petite carte et vous accompagnez avec eh bien, de l'encre, une encre. Vous pouvez commencer par du gris, du marron. Bon, après, il y a des noms, ils sont magnifiques, leurs noms chez Stampin'. Moi, je vous dis, je suis une amoureuse de Stampin' Up. Là, je suis bavarde, hein, les filles, excusez-moi. Hein. Vous me connaissez, je suis comme ça, je suis un peu fofolle. Mais bon, c'est ce qui fait que je suis Lulu. Alors, par contre, je vous avais marqué... ah oui, voilà. Ça, c'est le papier design plante épanouie. Il est magnifique. Regardez sur le catalogue. C'est à la page 131 pour la somme de 14 euros. Et franchement, ça vaut le coup. Et c'est la référence 155-696. Que vous dire, moi, que vous dire? Ouais, vous allez dire, oh là là, elle a l'aiguë, elle a changé son fusil d'épaule. Bah oui, je le reconnais, j'ai changé mon fusil d'épaule depuis quelques temps. Ben oui, regardez-moi ça, si c'est beau. Magnifique, plante épanouie. Regardez. Je vous le montre comme ça parce que je sais que certaines vont visionner quand même ce que font les démos Stampin' Up, hein, parce qu'elles nous apprennent à faire des cartes. Moi,
Moi, j'en connais pas mal. Et là, j'ai fait un choix difficile, mais j'ai fait un choix pour rester qu'avec une démo. Parce qu'après, oui, bon, c'est comme ça. J'espère que je ne blesserai personne. J'espère de tout cœur, parce que ça m'embêterait de... Ça m'embêterait. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choix et puis il faut les assumer. Donc, je les assume. C'est joli, ça, hein. Mutation bois avec les veines et tout. Vous voyez, non, c'est très joli. Là, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses avec. Là, c'est pareil. J'ai pris le papier parce que, bon, certes, ça fait des sommes. Donc, on fait ben, selon ses moyens. Je comprends. Moi, j'ai débuté. Je me suis fait critiquer parce que j'avais énormément d'argent. J'avais un salaire super. Je vous cache pas, hein. Mais la vie a fait que je suis tombée malade et que ben, maintenant il ne me reste pas grand chose. C'est avant, si j'avais connu Stampin' Up, dès le départ j'aurais acheté et là j'aurais vraiment toutes mes encres, j'aurais acheté beaucoup beaucoup de choses. Et je trouve que déjà en un an, oui ça fait un an que j'achète chez Stampin', je crois, J'ai pas mal, j'en profite maintenant parce que bon, je peux me permettre pour l'instant. Après, je serai obligée de me calmer, hein. Mais comme ça, au moins, j'aurai quelque chose. Et avec déjà tout ce que j'ai, je vous cache pas que je peux faire beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai aussi, alors j'ai pas marqué les références, j'ai rien noté. Vous savez, Stampin' Up fait des box comme ça. Celle-ci, elle fait 23, parce que si je ne me trompe pas, elle le fait 23. J'ai pris avec... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis infernale, j'aurais dû préparer ma copie. Enfin, à l'intérieur, vous avez tout. Bien sûr, vous pouvez en acheter plusieurs, hein, parce que je ne sais plus combien il y en a, 5 peut-être. Je ne veux pas dire bêtises. Hein. Donc, vous les recevez dans une boîte comme ça. Moi, oh, ma lampe qui tombe. Patatras. Hop. Je vous cache pas, je vais y mettre dans les boîtiers après, hein, que je viens de racheter. Pour 23 euros, vous pouvez faire tout ça. Alors, attendez. Kit de cartes après l'appui. Parce que celle-là, c'est vrai, franchement, elle me faisait de l'œil. 23 euros. À l'intérieur, vous avez pour les enveloppes pour faire toutes ces cartes. Voilà. Oh, j'ai encore dit voilà. On va me reprendre encore. Ah ben, je l'ai, celui-là. Ah, bah tiens, ça pourrait être un petit cadeau parce que je l'ai. Ah, bah je dois faire une. Pour un groupe réuni pour le plaisir, j'ai un petit envoi pour la réunion. Et bah je vais lui mettre dedans. Voilà, parce que moi, bon, j'ai la grande, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et ben voilà, il n'est pas ouvert. Ça sera un petit cadeau pour elle. Nickel. Je suis bien contente. Je suis contente, moi. Toujours, je suis contente. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir ça, comme ça j'y mettrai vite. J'ai essayé de vous faire voir. Alors, les enveloppes, c'est... Ah non, 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 je suis désolée. Je croyais que c'était toutes les mêmes. Voilà, les enveloppes. À l'intérieur, c'est comme ça. Et vous en avez des vertes. Hmm? Dans le lot. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a... Brigitte parle français. Lulu. Jaune, comme ça. Et puis, vert encore. Alors, vous en avez combien de chaque en vert? 3. 3 pour l'instant. Oui, non, mais je sais pas. Oui, bon, enfin, on verra ça. Voilà. Et vous avez à l'intérieur, oui. Ah, oui. Ah, c'est bien. Vous avez pour faire les petites étiquettes. Voici les petites étiquettes, pardon, détachables. Je suis fatiguée, moi, ce soir. Hein. Je suis rentrée, j'ai fait mes dorades royales, j'étais chez mon amie. Alors, qu'est-ce que c'est ce papier? Ah, oh là là, mais elles sont magnifiques ces bottes. Je suis une amoureuse de ces bottes, moi. D'ailleurs, voilà, vous avez plusieurs papiers comme ça. C'est joli, hein? Le petit lapinou, j'ai mis à l'envers? Oh non, c'est le lapin qui est à l'envers. Regardez comme c'est joli. Il y en a deux, trois, trois des mêmes couleurs. Et là, vous avez déjà le format des cartes que vous pliez. Vous voyez, c'est super. Après, vous faites la créa que vous voulez. Ah oui, je suis contente d'avoir repris, d'avoir pensé à reprendre. Alors, vous avez
Vous connaissez tous ça. D'ailleurs, moi, pour Noël, je vais demander à mes enfants de m'acheter. Ils se mettront à plusieurs. Moi, je suis toujours contente. Stampin' Up vend la valise avec tous les blocs comme ça. Alors, vous avez les tout petits, vous avez les grands, les très grands. Toujours pareil, hein, ça va avec les tampons qu'on achète, hein. Donc, vous avez la valise pour les transporter ou pour les ranger. Je trouve que c'est super sympa. Oh là là, combien c'est déjà? 87, 67 euros. Attendez, si vous avez 2 minutes, vu que je suis bavarde, vous allez. Si vous regardez ma vidéo, c'est que vous avez le temps, hein. De toute façon, le replay, comme je dis, ça existe. Elle est folle, cette nana. Elle est folle. Oh là 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 là, moi je suis amoureuse de ça. C'est quel numéro? Parce que je suis miro en plus, hein. Donc c'est le 4. 1, 2, 3, 4. Je sais super bien compter les filles. Alors, mallette de rangement. La mallette de rangement, avec la référence page 145, que la mallette, hein, attention, de rangement à bloc, que la mallette, je dis bien, elle fait 21 euros. Et j'avais vu, très lili, voilà, ici, lot de blocs transparents, comprend un de chacun des blocs transparents dans un lot pratique. C'est ça, lot de blocs, c'est 67 euros. Alors, j'ai mal lu, parce que j'ai cru que il y avait la valise, donc ça fait 60. Non, mais je suis nulle. Bloc en acrylique pour tampon amovible et en résine. Vous trouverez la taille de bloc recommandée pour les différentes images dans ce catalogue. 87,75 € tous les blocs. 2, 4, 6, 8 et un 9. Et, ah oui, il faut acheter la mallette en plus à 21 euros. Ah, ouais. La nana. Ah, ouais. Donc, oui. 80, 90, ça fait plus de 100 euros. Ben oui, je demanderai à mes enfants parce que celle-là, je la voulais vraiment. Ouais, bloc vendu séparément. Oui, Brigitte, tu as mal lu. Mais enfin, voilà, moi j'ai acheté le. Enfin, bon, je ne dis pas aujourd'hui parce que ça c'est les blocs, mais ça, je vais l'acheter à moi, je vais me la payer. Ça j'y ai. Vous voyez, c'est tous les blocs. Donc, je vous parle à 87,75 €. Et la mallette, elle est là. Voilà. Non, mais c'est super. Pour en revenir à mon. Parce que moi, je pars dans mes. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est? La fille, qu'est-ce que c'est que c'est? Oh, on a des petites perles. Vous n'allez pas voir. En transparence derrière. Regardez, des petites gouttes avec des petites. C'est des petites gouttes. Et des petites perles en bas. Et puis, vous avez des. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas regardé, bien évidemment. Vous connaissez Brigitte, c'est toujours au dernier moment. Là, ces petits trucs-là. Donc, ça doit se coller de toute façon dans les cartes et tout. Et vous avez un petit peu de twin qui est en relation avec les couleurs de la box, enfin des tampons. Vous avez les dimensionales. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Hein. Je ne vais pas m'amuser à les compter. Ça, c'est les gros. Moi, tout à l'heure, je vous ai fait voir les tout petits, les mini. Ça, c'est les gros. Donc, je trouve que c'est super sympathique. Regardez, vous avez tout ça pour 23 euros. On peut se faire plaisir, l'offrir. Et vous avez les petites cartes comme ça qui vont avec. Ben, si je ne vous les montre pas, ça ne va pas le faire. Regardez-moi ça, j'adore. J'ai hâte qu'à Estampinou, si elle l'a commandé, fasse une petite démo de ce qu'on peut faire. Hein. Je trouve que c'est super sympa. Regardez. Hop! Et après, vous les collez, vous faites votre business. Et alors, ce qu'il y a de bien, par contre, il y a la moitié. Dedans, votre boîte, vous avez ça. Les tampons, nuages, avec des mots. Donc, vous avez en mots, parce que c'est à l'envers, éclosion d'amour. Tu peux accomplir de grandes choses. Après la pluie, le beau temps, je serai toujours là. C'est très joli, ça. C'est un joli message d'amour ou d'amitié. Que le soleil chasse les nuages. Alors après, on peut rajouter dans ta vie. Ce n'est pas là-dessus. Hein. Mais on peut rajouter ça après. Et ça, je pense que ça doit être des flaques d'eau. De la pluie, peut-être. Avec des petits cœurs. C'est super mignon. Moi, j'adore. Vous avez peut-être une petite fleur ici. Oui, on dirait une petite fleur. C'est mignon, regardez. Par transparence, comme ça. Voilà.
Super sympathique par rapport à ma main. Vous voyez, pour 23 euros, je trouve que c'est sympatoche, hein. Vous avez tout pour faire eh ben des cartes, plusieurs cartes. Vous voyez, et à l'intérieur, tac tac, si j'arrive à ouvrir. Et à l'intérieur, vous avez toutes les explications pour créer des cartes. Vous voyez, avec la twin et tout, avec des cartes, avec ben là, avec les nuages, les bottes. Là, simplement les bottes. Avec les petits messages que je vous ai montrés au tout début. Vous savez, les petites étiquettes à décoller ici. Non, franchement, je suis hyper contente. C'est sûr que j'avais des mots. Après, bon, ça monte vite. Les sommes montent vite. Oui, c'est certes. Donc, on est obligé de d'acheter ce qui nous fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je sais plus, certainement un mensonge, comme dirait ma copine Muguette et belle-sœur. Mais voilà ça. Je peux pas parce que c'est ma tablette, donc je peux pas vous faire voir tout ce que je voudrais pas me montrer parce que je suis en pige-moi ça, comme on dit chez nous. On est en pige-moi ça. Je suis pas maquillée. Je suis douchée par contre. Hein. Ça c'est, ouh, je voudrais pas montrer ma tête, je suis trop moche, je suis vieille et moche. Alors attendez, on va pas prendre Pélope comme on dit. Ah, ça va tout tomber, vous voyez, j'avais acheté ça. Donc c'est toujours dans les, cette collection est magnifique. Je vous dirai pas les prix parce que je m'en souviens plus, hein. C'était février, mars, je crois que je les avais achetés. Vous avez les dies qui sont toujours dans des enveloppes comme ça, je trouve que c'est super sympathique, ça va bien. Ça, quand vous avez les célébrations, celebration, je ne sais pas comment ils disent, si vous commandez pourtant, vous avez des cadeaux, ça vaut vraiment le coup de commander pendant les célébrations. Super. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est en septembre, j'en suis pas sûre. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne suis pas démo, donc je ne suis pas au courant de tout. Malheureusement. Voilà, j'ai eu 100 cadeaux. 100 cadeaux. Donc, c'est quand même des choses qui coûtent... qui coûte cher. J'ai eu 100 cadeaux. Oh là là, j'en ai eu d'autres. Hein. Attendez, je ne veux pas qu'on monte. J'ai eu ça en cadeau. Alors, celui-là, je l'adore. J'ai eu ça aussi en cadeau. J'adore celui-là. Vous savez pourquoi? C'est ce que je vous ai dit alors. Alors, non, ça, c'est pour les anniversaires. Mauvaise nouvelle, j'ai oublié ton anniversaire. Bonne nouvelle, j'ai aussi oublié ton âge. Je trouve que c'est super mignon. Le saviez-vous, les anniversaires sont bons pour la santé. Les études révèlent que plus on en a, plus on vit mieux. Oui. Si on s'améliore avec l'âge, tu dois approcher la perfection. C'est sympatoche, ça, tout ça. Attendez, comme ça, vous ne voyez pas ma tête. Je fais exprès de ne pas vous montrer ma tête. Et j'avais aussi... commander celui-là, c'est voilà, c'est le fameux, c'est PS je t'aime, donc la Saint-Valentin, pour toute votre famille, les souhaits enneigés, puisque vous avez des flocons, la saison des frissons, Halloween, nous vous souhaitons paix, amour et sourirez pour l'année à venir, et souriez pour l'année à venir, ça y est, je ne sais plus lire, ça c'est pareil pour Noël, royaume enneigé, la Reine des Neiges, si vous avez quelque chose à faire, c'est mignon. Je t'offre mon cœur, toujours pareil, la Saint-Valentin, ou maman, ou je ne sais pas. Joie des fêtes. Vous voyez, il était complet, celui-là. C'est un... comme ça. C'est ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure, avec ce qu'ils nous mettent à l'intérieur. Vous voyez, on les détache et on les colle sur les tampons mousse. Et après, ça se colle sur votre plastique. Voilà, comme ça, vous savez ce que votre tampon veut dire. Vous voyez, c'est super, ça. Vous les rangez. Une étagère. Je ne vous cache pas que j'essaye de... Je vais m'acheter une étagère. Il faudrait que mon mari veuille bien m'emmener dans le magasin bien connu qui commence par Ikea. Donc, Ikea, voilà. Pour mettre tous mes boîtiers. Enfin, voilà. Bah, écoutez, je vous ai fait voir... ben, tout ce que j'ai reçu dernièrement. Là, je vais repasser une commande.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je remercie ma démo qui m'a envoyé tous ces jolis papiers. Je ne vous dis pas le nombre de pages qu'il y a, recto verso. Enfin bon, c'est magnifique. J'adore ce. En plus, je voulais vraiment les avoir. Donc, je suis hyper contente. Et alors, je ne sais plus, parce que si ça vous intéresse, vous irez voir sur la page Petite Créa de Lulu, hein, Facebook, hein, parce que je mets moins sur YouTube. C'est vrai que j'y vais moins. J'ai fait, alors j'avais mis un tuto, je suis désolée, madame, je ne me souviens plus. Qui? Parce que je regarde pas mal de tutos de démos et elle avait fait ce petit album mini Rikiki comme ça. Vous voyez ma main, je trouve qu'il est sympathique. Bon, donc le tuto est sur ma page, ça se fait comme ça. Oh, je suis désolée, je ne me souviens plus du nom. Donc, bien évidemment, je me suis occupée du nouveau papier qu'on vient de m'offrir. Hein, voilà. C'est un petit album comme ça. Vous voyez? J'ai pas fini. Il faut que je fasse là, puis il faut que je mette des coins dans la même couleur que ce papier-là. Voilà. J'ai pas eu le temps de le finir. Mais je trouve qu'il est sympathique, sympatoche. Vous voyez? Là. Tac, tac, tac. Il est comme ça. Il m'embête, ce truc. Il me fatigue, ce truc. Et vous le fermez comme ça, avec un petit kiki. Je trouve qu'il est sympa. Bon, moi, je l'ai décoré comme ça. Vous reconnaîtrez, hein, c'est ce que les kits que j'avais achetés chez A. Voilà, donc c'est un petit, tout petit album. Je vais mettre des petites photos. Je vais peut-être éventuellement l'offrir. Voilà, oui, je vais peut-être l'offrir aussi. Voilà, je l'ai fait un soir. J'étais bien contente. Eh bien, écoutez, sur ce. Parce que je suis bavarde, ça fait 31 minutes quand même que je papote avec vous. Oui, eh bien, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais manger mon Trianon, un petit morceau de Trianon, voilà, pour me réconforter. Et je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis ben, à la prochaine fois, au prochain visionnage. Bisous!